Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve les amis aujourd'hui en rediffusion. Alors je le refais vite fait, ça fait 25 millions de fois qu'on fait exactement la même intro parce que bug, tout ça. On va tout simplement les amis, dans cette série, un petit peu comme Assassin's Creed Unity, continuer le jeu, mais notamment obtenir les étoiles qu'on n'a pas réussi à obtenir lorsqu'on était en train de faire le Let's Play. On va essayer de les obtenir là en live. Les épisodes ne seront pas notés, oui, vous pouvez me le noter en même temps, un petit pouce bleu bien évidemment, mais les épisodes ne seront pas montés, donc voilà. Et en grande masse. Alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas réussi à faire dans celui-là? Quoi? Fermez le programme pour éviter de perdre des données. Qu'est-ce que c'est? La mémoire de votre ordinateur? Quoi? Comment ça? Attendez, ce serait ça la cause? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors attendez les amis, c'est la première fois que le lancement d'un jeu bouffe 16 gigas de RAM. Non mais attendez. Mesdames et messieurs, nous sommes sur une première mondiale. Un jeu qui bouffe 16 gigas de RAM. Vous t'es pas de moi peut-être. Non attendez, peut-être qu'il avait raison, j'avais mes logiciels de montage qui étaient encore ouverts. Bah, fais attention partout. On est en direct, on a le temps. Ouais, mais écoutez les amis, en vérité, on a commencé live en avance. Heureusement, on n'a que 9 minutes maintenant de retard et non pas 30 parce que ça fait une demi-heure qu'on est en live. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, on va peut-être chanter une petite chanson. Allez, on va mettre une petite musique, tiens. Non, on va changer cette musique, elle me casse les pieds. C'est la musique de l'intro. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? Allez, Jingle Bells, formidable. Voilà, nickel. Ouais, c'est pas Noël, mais on s'en fiche. Hein? Ouais. Ouais, ça marche. RIP. On a 50% du process, je vais me casser les pieds. Écoutez, on s'occupe comme on peut ici, hein. Ah, Noël. Ça va vite arriver tout ça, hein. Oui. Oui, on... On est en plein milieu de l'été, ça y est, Benji, il est déjà parti là avec les bonhommes de neige. Avec la reine des neiges, et il est déjà parti. Bon, ça charge. Normalement, ça devrait tenir. C'est la première fois que je reçois un message, la mémoire qui refuse de faire fonctionner le jeu. La vache, ça bouffe le processeur, j'avais jamais vu. Purée, ça bouffe plus, le chargement de la partie bouffe plus le processeur que lorsque je fais un montage. C'est quand même incroyable. Et heureusement qu'on joue seulement à un jeu, hein. Oh mon dieu. On va voir. Mais normalement, la mémoire devrait tenir. J'ai jamais eu de problèmes ressemblant à ça, je sais pas. C'est ok? J'accélère un peu la mémoire. Je charge les textures. Non mais, au cas où les amis, il faut prévoir le coup quand même. C'est pas que, mais quand même. Bah écoute, apparemment, ça a l'air de tenir, donc c'est bon. Alors donc, nous devions ici, donc pareil, construire une montagne russe, 5 en enthousiasme, pas plus de 6 en osée, ok? Donc 5 en enthousiasme, ça devrait pas trop être compliqué, faut qu'on fasse des petites rondes. Et pas plus de 6 en osée et 900 mètres de l'eau. Ok. On doit atteindre 70 mph. Ok. Et chute quoi? Une chute principale d'au moins 65 mètres. D'accord. Ok. Donc je sais qu'est-ce qu'il faut qu'on construise. Il suffit de trouver les spots. Ah oui! Bah, parce que j'ai pas 65 mètres? Ah, mais c'est juste qu'elle doit pas répondre à. Ah oui, non, non, l'acte 3 en enthousiasme. Ah ah ah! Il
Bah écoutez, on va... Ah non, celle-ci, elle fonctionne. Bah écoutez, on va la virer, étant donné que le let's play est terminé. Hop là. Sorry. Pas grave, hein. Vous allez pas m'en vouloir. Vous êtes gentil, monsieur. Bisous, 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 bisous et bisous. Ok, donc, faut qu'on fasse une grosse chute. Pour faire une grosse chute, il faut donc... monter. C'est bien, vous suivez la chanson? Pas du tout. Alors... Et là, ça part. J'espère pas. Alors, donc, oui, on a un masse pognon. Bah, écoutez, qu'est-ce que c'est quoi ça? Bah, c'est très bien, ça, un petit equalizer. Oui, allez, nickel. On part vers un petit equalizer. Je vais partir plutôt là. Hop, voilà. Allez, nickel. Maintenant, on grimpire. Tout en haut. Quoi? Pourquoi? Comment ça? Hein? Ah oui, c'est vrai, il y a une limite de hauteur. J'avais oublié. Ouais bah du coup okay. Les petits trous. On met les petits trous. Nickel. Hop. Là. La petite descente des dingues. Hop. Et hop. On y va tout doux. On passe dessous là. Je le vois bien. Il y a même une sortie de l'autre côté, un truc de dingue. Yahoo! Hop, là, en allant par ici, on va avoir notre descente de 60 mètres. On a toute la vitesse qu'il nous faut. On va même remonter un petit coup. Hop, et redégringoler un petit coup. Là, on a la vitesse qu'il nous faut. On se projette. Et là, on dégringole. Encore un petit coup, hop, et là on se projette. 1, 2, on tournicote. Tournicote, attention, on fait bien attention à bien pivoter pour pas qu'ils aient peur. On commence un peu à la remonter. Elle est tout doux quand même. Hop là, on grimpe. On va avoir un petit problème de place en étant là. Comment? Non, t'inquiète. Bien, là maintenant, faut qu'on remonte. Assez aigu. On n'est pas assez aigu. Alors, on rayait un peu plus. Encore un peu. Voilà, et là, du coup, on pourra avoir une stabilité. La fameuse The Stability. On commence le test. Ok, vérifions. Salut à toi, Damien. Les petits trous. La première descente. Donc on n'oublie pas, il faut qu'on atteigne une vitesse maximale de 70. Donc ça devrait pas trop être compliqué. Ça c'est le genre de d'objectif qu'on peut atteindre ultra facilement. Bon ça, les montées, les descentes, on a l'habitude. C'est vraiment cette descente là, pardon, moi qui me fait peur. Nickel. Oh my god, les gens vont tous prendre. Fais attention quand même. Et les gens, on va pas leur faire ça dessus. Ok, alors par contre la vitesse qu'on a ici, elle est beaucoup trop grande. Il faut tourner moins vite. Ok. Hop là, dans l'autre sens du coup, maintenant c'est nickel. C'est parfait. On va remonter même. On redescend et on regrimpe. On redescend. Tourne à droite. Alors je sais pas du tout combien on va avoir de vitesse. Mais je pense qu'on devrait en avoir suffisant. Je suppose. Oui, on a largement de vitesse pour finir la course. Cool. Faut qu'on aille là-bas. Oh, attendez, il y a un dragon juste ici. Faut qu'on aille le voir. On a tellement de vitesse. Progrès, succès. Un accident est si vite arrivé. Comment ça?
Calme-toi. Attendez, là on a de quoi faire un petit looping. En hauteur, c'est possible. Oui. Voilà. Moi j'aime bien les petits loopings. C'est très sympathique les petits loopings. Allez, on teste maintenant. Vitesse maximale intégrale dans tous les sens. C'est parti. Jusqu'à là on connaît, on a l'habitude, d'accord? Et après on dégringole. Yahoo! C'est pas grave, on est bien. C'est nickel. Ça fait un drôle de bruit derrière, mais c'est dans votre tête. Tous les bruits chelous que vous entendez, c'est dans votre... Ouais, par contre, ça en oublie, Benji. Là, j'ai vu trop grand, là. Non, bah oui, mais non, enfin, oui, mais non. J'ai vu bien trop grand. Bim. On met des petits trous. On peut mettre des petits trous comme ça. On peut pas mettre des petites roues. Oh, c'est triste, hein. On peut pas mettre des petites roues. Ah, je suis triste. Moi, j'aime bien mettre des petites roues. Petites roues, par exemple, qui sont ici. On peut les mettre aller beaucoup plus vite, ces petites roues-là. Du coup, vous allez voir, on arrive en haut avec une certaine vitesse. Puis après, on va avoir un minimum d'accélération grâce aux petites roues. Regardez, on a 5 mph. Hop. Puis d'un seul coup, hop, on passe à 8. À 8 quoi? Grâce à quoi? Grâce, justement, aux petites roues. Et ouais. Oui. Grâce aux petites roues. Ok. Moi j'aime bien faire les petites montées, mais c'est surtout en fait que les montées comme ça puis redescendre, ça permet d'augmenter l'enthousiasme. Il voulait une chute de 65 mètres. Alors j'ai pensé que les faire plonger dans le vide c'était une bonne idée. Mais en fait c'est ce qui est extrêmement compliqué ici, c'est la structure du parc. Le parc est très mal structuré. Pourquoi est-ce qu'on tourne? Une idée. Pourquoi est-ce qu'on tournicote? Alors là, il faut qu'on trouve un moyen d'aller plus haut. Là, on n'arrive pas à monter. Okay. On va faire ça. Je vire, ma gueule. Je vire et je vire. Ça, là, comme ça. Paf, pif, paf. Pouf. Ça, c'est pas droit. Ça m'énerve, c'est pas droit. Pas quand c'est pas droit. Hop. 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 On va dire encore un. Hop, hop. Voilà. Là, c'est nickel. Et du coup, on va avoir un petit peu d'inertie. Grâce à avant. Voilà. Oui, attendez. Non, il y a une connerie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a réussi. J'accélère un petit peu le temps. On a l'habitude, on connaît le circuit. Hein? Et... Quel off, ouf. Ok. Bon là on arrive. On fait des trucs assez chelous. Mais ça tient. Ça tient. Faut qu'on fasse attention au niveau de la nausée. Hein. La nausée est quand même haute. Ok. Ok, donc là c'est la baisse totale de l'enthousiasme. Donc, à savoir, pour la suite, faut accélérer ça. Et là après on gagne un tout petit peu en montée. Je sais pas trop quoi en faire. Mais je vous avoue avoir très peur de la note finale. L'effet quand t'es live. Bah là, tout de suite, maintenant, on est en live. Bon, ok, le 20 milliards en enthousiasme, on oublie. Non, ce parc ne va absolument pas. C'est ultra compliqué. Ce que l'on va faire, c'est qu'il nous faut un petit peu d'espace, les amis, pour pouvoir faire les choses bien. Et donc, on va virer toute cette zone. Hop, je ne veux plus rien voir. Nickel. On va dégager cette zone, on va la rendre propre. Voilà, on n'a pas besoin, les autres optiques sont validés, ok? Donc, on est bien. Oui, bon, les vols, tout ça, je sais, à cette époque-là, on n'avait pas de gendarmes et tout. Et le gros bordel. Alors, on va juste se centrer à faire une attraction qui est ici. En fait, je me rappelle plus du tout des objectifs. Un peu gênant. Vraiment lié aux objectifs.
Ah! Hop, hop, voilà. Là, on arrive dans une zone. On est bien, on est tranquille. Ah, ça me gratte les cheveux. Pardon, excusez-moi. Oui, je dis tout ce qui me passe par la tête. Bon. On part vers quoi? Ça, du coup? Bon, très bien. C'est toi qui vois, ma poule. Allez. Bon, du coup, faut qu'on parte par là. Très bien. Bah, c'est nickel. Pour la montée, ce sera toujours mieux. Allez. Hop, là, voilà. Là, on est bien. Stabilisation. Stabilisation. Donc, objectif. 5 ans d'enthousiasme. Ok, on a des enthousiasmes en faisant des montées, des montées, des montées, des montées. Ok. Pas plus de 60 en osée. Donc, il faut qu'on fasse, quand on tourne, que ce soit très souple. 900 mètres de long. Donc, faut quand même qu'elle soit plutôt. Le 900 mètres de long, il est impossible à faire. Oh, vous imaginez? 900 mètres de long, c'est énorme. Une chute principale d'au moins 65 mètres. Ok, donc on peut dire que la chute principale, on va l'avoir là. Voilà, là on peut l'avoir, la chute principale. Non, c'est beaucoup trop grand. Hop, ensuite après, on tourne, on s'incline, on retourne d'un, on se réincline, stabilisation à 0, on tourne toujours, on repart un peu tout droit, hop, on repart droit, on se remet droit. Ok, donc là normalement on a encore énormément de vitesse, on va donc pouvoir encore monter, on va monter. 1, 2, ok, je voudrais voir. Non, pas terminé. Tester, je vais faire tester et c'est terminé. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je sais que tu fais maintenant, mais à part maintenant, c'était live quand? Bah, pour l'instant, comme j'ai dit dans la programmation, j'ai du mal à définir des horaires précises de live. Ok, c'est bien. J'ai du mal pour le moment à définir des horaires précis de live, mais suis la programmation, évidemment. N'hésite pas à suivre la programmation pour être informé de tous les lives. Ok, ils sont pas bien. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bien? Parce que on tourne beaucoup trop tôt, en fait. Donc là, il faudrait que je remonte. Hop. Agrandir à max le truc. Voilà. Et seulement là, maintenant, commence. Ouh là, c'est violent quand même. Seulement maintenant, commencez à tourner. Hop. Hop. Là, je suis bien. Pif, stabilisation. Nickel. J'en serre. Je remets mes droits. J'en serre. Et je remets mes droits. Voilà, donc là on arrive avec une vitesse de 44. Grâce à cette vitesse de 44, on va pouvoir un petit peu remonter. J'espère que les gens ne vont pas se prendre l'écart dans la tronche, c'est bon. On peut remonter de 2. 44, 20, 0. Et là, on peut redégringoler. Okay. On pourrait être pas mal. Alors testons. D'accord. Impossible, on ne peut pas être figé comme ça. Voilà, donc là c'est beaucoup moins violent. On a augmenté la distance. Voilà. On se stabilise bien. Voilà, j'avais dit qu'ici on finirait par être à zéro. Quoi? Oh, t'es sérieux? Ouais, hein. Du chipotage, hein. Tu chipotes un petit peu, il me semble, hein. Normalement, ça passe nickel. Tout est overcalculé. Ok. Non, non, non. Il y a plus de poids avant, hein. Fais pas genre. Je connais la musique. On a plus de...
Ok. Bah c'est toi qui vois, hein. Ou alors ça, on va plutôt rester ça comme ça. Et on va partir en tire-bouchon. Bonne idée ça. Partons en tire-bouchon, les amis. Bonne idée ça, le tire-bouchon, non? Alors là, après, on peut peut-être partir sur un petit looping, un truc de ce genre là. Alors, où sont les cars? Les cars sont. Non? Oh, quoique. Pas mal. Ça me plaît bien. Mais arrête! Attendez, je suis sûr, ça se trouve, c'est à cause du simple fait que... Attendez, hop. Certains, maintenant, c'est nickel. Parce que moi, l'inertie, je la connais, hein, et d'habitude, ça passe trois fois. Regardez. On a une plus grande agilité, on passe mieux partout. On les connaît, les tourbichons. Les tourbichons. Oui, les tourbichons, comme on les appelle chez nous. Quoi? Mais c'est censé passer. Toi que t'as aucune expérience de tourbichon dans ta vie, toi. Ça se voit, hein. Connais pas ça, toi, les tourbichons, hein. À vous. Mais non. Lui, l'eau, là, allô? Non, ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est bon, ça a voulu. Formidable. En fait, c'est bien, mais il faut juste qu'on monte. Par rapport à la vitesse qu'on a, il faut qu'on monte un peu. Et c'est au moment où on dégringole. Juste au moment où on dégringole. Maximum. On n'a pas assez la vache. Ou alors... Ouais, on finit comme ça, en fait. Grave. Je vois pourquoi je me casse les pieds à faire ça, en fait, depuis tout à l'heure. On peut partir depuis le début. Comme ça. Je peux pas. Pas droit, ok. Ça fait 10 ans qu'on se casse les pieds, mais je pars comme ça, c'est nickel. Hop. Ping. Attention, c'est assez lourd. On relèvera un petit peu parce que je sais pas trop où on va finir, mais on va finir, ça c'est sûr. Passe. Je t'ai dit passe. Tu arrêtes ton cinémache. Dingue, vous avez vu ça les amis? De dingue, jamais cru, j'aurais jamais cru. Allez, on teste intégrale de tout. Je veux tout voir, je veux tout savoir. Et la petite soutenance. Oui. Parfait. Tu arrives au bout là, hop, et après tu descends. Ça passait tout à l'heure, hein? Oui. Formidable. Yeah. Bon oui, on se prend les pieds, mais c'est vrai, c'est rien, c'est un détail. Hop.
Ouais, là on fait flipper les gens en mode vous avez vu, vous êtes bloqué. Et après pas du tout, on continue. Et hop, on tourne à gauche. Et normalement là on finit. Ouais. J'ai peur. Oh, t'es sérieux? Attendez. Là, faut qu'on revoie juste les objectifs. Donc. Minimum 5 d'enthousiasme. Ok. Pas plus de 6 en nausée. Nausée, on est à 1. Ok. 900 mètres de long. Ok. Bon, on l'a peut-être pas là. Les 70 mph. On les vient de les atteindre là. Donc on les a. Et une chute principale d'au moins 65 mètres. Donc je pense que c'est la chute principale qui a posé problème. Et comment on fait pour savoir la distance ? De 65 mètres, c'est énorme. Mais comment ça ? Une chute principale. Je vais aller dormir, salut et bonne continuation. Merci à toi gamer, bonne nuit, à la prochaine. Qu'est-ce qu'ils appellent ? Je sais pas. À mon avis, pour moi, c'est ça la chute principale. C'est quand on monte là et qu'on dégringole. Et qu'est-ce que... Bon, on va considérer que c'est validé. Ok ? On va considérer que c'est validé parce que malgré tous ces objectifs-là, on a fait celui-là, celui-là. On doit pas être loin des 900 mètres. On a atteint celui-là et on n'a pas fait celui-là, mais on doit être aux alentours des 60 mètres parce que je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Hein. Et après, où c'est qu'on pourrait se mettre ? Parce que là, faut savoir que c'est la hauteur maximale. On peut pas aller ici. Hein. Donc le seul moyen de faire une chute principale, ce serait de là, en fait, tout simplement, là-dedans, tomber là-dedans. Et si on tombe là-dedans, obligatoirement après, faut qu'on se relève. Et en se relevant, on va augmenter la nausée. Parce que là, en fait, on n'a pas beaucoup de nausée, parce que, en fait, à part ici et là, on descend à aucun moment. Si, ici. Mais comme vous voyez, on s'arrête. C'est comme si on redémarrait de zéro l'attraction. Donc là, on va avoir de la nausée, mais comme on vient de zéro, du coup, c'est comme si qu'on n'avait rien. Donc moi, je considère, mesdames et messieurs, cette attraction comme étant terminée, évidemment. Les amis, on va partir sur 5 petites minutes de pause. Et au retour de cette pause-là, on ira au parc qui fait bugger, voir si tout se passe bien. En tout cas, pour le sud du Rigord, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime, de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc, les amis, très rapidement pour un de vos épisodes favoris. Moi, les amis, je vous dis donc à la prochaine et ciao, bye bye.